Je m'appelle Sandra, j'ai validé en VAE mon master en management stratégique des ressources humaines en décembre 2023. Au lycée, je m'intéressais au métier d'infirmière et j'adorais les langues. Donc j'ai fait un BTS assistante de direction trilingue. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'assistante de direction et j'ai découvert le métier des ressources humaines en tant que secrétaire de mairie. Et en 2014, j'ai saisi l'opportunité d'occuper un poste exclusivement en ressources humaines chez Red Light et j'ai déménagé en Isère. Ce qui m'a motivée à faire un master en management RH en VAE, c'est que mon entreprise m'a soutenue, a soutenu toute la démarche. Et on a intégré également un groupe en 2016, un grand groupe, et j'avais un besoin de reconnaissance. Et ensuite, en 2020, on a retrouvé notre indépendance. C'était comme une création d'entreprise, il a fallu mettre beaucoup de choses en place, la paye, la comptabilité, beaucoup d'aspects. Et la VAE a servi également à progresser dans le projet. J'ai choisi l'école Grenoble IAE INP parce qu'elle a une belle réputation. Et ça faisait sens parce que je pouvais y aller en présentiel, étant située à Grenoble, et je pouvais rencontrer la responsable pédagogique qui m'a accompagnée tout au long du projet, qui m'a conseillée pour pouvoir mener à bien ce projet. La VAE se termine par un oral, le niveau est très élevé, j'étais préparée, j'ai tout donné, et finalement ça clôture tout ce process et ça légitime mon parcours professionnel. La VAE m'a permis de faire le lien entre la théorie et la pratique et j'ai pu évaluer également mes pratiques RH au quotidien et pouvoir prendre le recul par rapport à ces pratiques et les améliorer. Je suis fière, après 2 ans de travail, d'avoir validé mon master et aujourd'hui j'ai envie de partager cette expérience avec des personnes comme moi qui ont envie d'évoluer dans leur carrière et de développer leurs compétences.